Comment ça va? Donc finalement j'ai traumatisé le méta. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Bob Lee traumatise le méta. C'est arrivé comment? Ça a commencé par où? Paraît que les gens font des vidéos sur moi. Moi, je ne sais même pas. Des plaisanteurs font des vidéos sur moi, disant qu'eux peuvent me parler. Oui, ils sont encore bien maintenant. Non, les G là, c'est pas pour nous. Les A là, c'est pour nous. Quand tu regardes tous les A là, le plus fort c'est 12. Ok, d'accord. Moi, je peux encore finir ma vidéo alors. Oh, ouais, je suis en direct. Mais il ne faut pas regarder mon direct. Parce qu'il faut suivre de l'autre côté pour ne pas qu'on rate ça. Pour ne pas qu'on rate ça. Il ne faut pas regarder le direct. Faut regarder plutôt le numéro. Hein? On peut pas mettre volume, ouais. Donc tu veux pas regarder ça, voilà. Faut regarder le numéro là plutôt, puis tu me fais signe. Ok? Ok, le téléphone, voilà, le téléphone privé, il est libre, donc tu peux m'appeler. Eh Dieu! On dit Bob Lee traumatise les gens. Bob Lee traumatise le méta. C'est arrivé comment? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Il a dit, tu es Béchard. J'ai lu les commentaires, mais ça fait rire, ça va. Ah, donc je m'arrive, donc je m'arrive. Donc, attends, je vais vous poser une question. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a tué Julien ou bien qu'est-ce qui a tué Julien? Ça vous intéresse pas? Ah, moi, je pensais que c'est votre inquiétude, c'était Julien. Donc, c'est pas Julien. Donc, c'est pas. La mort de Julien ne vous fait plus mal. Hein? La mort de Julien ne vous fait plus mal. Oh. Oui, il s'appelle Bob Lee, notre tonton des USA. Voilà. Le Texan noir. Notre tonton
Divolais, le Djibois de Divo. Il s'appelle Bob Lee, notre tonton des USA. Quand tout cela va finir, je vais prendre le nom de tous ceux qui m'ont soutenu, mordicus. Je vais prendre eux tous leur nom. Et puis, je vais faire leurs éloges dans une vidéo spéciale. Parce que ça, c'est les vrais fans. Ça, c'est les vrais fans. Je vois des connards qui se lèvent de gauche à droite. Non, Bob Lee, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu aurais pu être humain. Moi, je ne suis pas humain. Hein. Depuis qu'on vous a dit que je suis humain. Non, tu aurais pu être humain. Même si la personne a fait ceci, hey, c'est le même sang-là qui circule en nous. Mais je vais vous dire une chose. On a vu ici sur Internet des gens qui ont mis code comme ça, qui se sont suicidés parce qu'on a sali leur nom sur les réseaux sociaux. Je vois des hypocrites. On me dit même que Aya est en train d'organiser funérailles. Ça, c'est ce qu'on m'a j'ai appris. Vrai ou faux, je ne sais pas encore. Mais c'est ce qu'on m'a appris. Parce que moi, je ne vais pas pour regarder tout ça. Et ça, je suis au courant aussi que Yaka Yaka est en train d'organiser aussi funérailles. J'ai appris que Chanel T est en train d'organiser funérailles. Celui qui a tête d'agouti qui est là-bas, là, avec sa bouche, on dirait pastèque là. Il paraît que lui aussi s'est mis dans le lot. Je te dis à toi qui a la bouche, on dirait pastèque là. On ne fait pas un jeu de mots avec moi. Non, grand frère, tu sais que je te respecte, mais ça ne se dit pas avec moi. Dis ce que tu penses. Tu n'as pas besoin d'ajouter, je te respecte. Parce que je n'ai pas besoin de respect. Depuis que vous me voyez ici, à respect de quelqu'un, à payer bill de quelqu'un ici. Respect de quelqu'un, à payer facture de quelqu'un. Non, non, ce que tu veux dire là, il faut dire. Un garçon ne joue pas à ce jeu-là. Un garçon dit ce qu'il pense. Et puis il avance. Ça tue pas. Ça libère. Mais vous êtes très hypocrite, quoi, au fait. Parce que... moi, je le dis toujours. Hein, il y a des choses avec lesquelles je ne joue pas. Je ne joue pas avec la vie de ma mère. Je ne joue pas avec la réputation de ma mère. Je ne joue pas avec la vie de mes enfants. Je ne joue pas avec la réputation de mes enfants. Et qui dit mes enfants, dit la maman de mes enfants. Tu ne peux pas avoir joué à ça. Si après on a mis balle à terre et puis on a fait la paix, c'est toute autre chose. Mais tant qu'on n'a pas fait la paix, sache que même 30 ans plus tard, dès que j'ai occasion, il rentre dans toi. C'est comme ça, ça y est. Même 30 ans plus tard, dès que j'ai occasion, il rentre dans toi, boulé. Ne pensez pas que vous allez faire du mal à autrui. Et puis lui va connaître Dieu plus que vous. Moi, je ne suis pas cousin de Jésus-Christ. Quand vous me regardez là, est-ce que j'ai des cheveux longs comme Jésus-Christ? Regardez, moi j'ai boule à zéro. Vous avez déjà vu mes cheveux, on dirait Jésus-Christ. Vous m'avez vu avec barbe, on dirait Jésus. Moi, je ne connais pas. Moi, c'est ce qu'on me fait là, c'est ce qu'il regarde et puis je réagis. J'ai cité des noms tout à l'heure. On m'a dit qu'ils font... c'est eux qui sont en train d'organiser les funérailles. Félicitations à vous, bravo à vous. Mais Yaka Yaka, je te rappelle, tu es mon petit frère. Je te rappelle que c'est cette femme-là qui t'a insulté ici. On va me dire qu'elle a présenté excuse. Excuse-la combien de fois? Toujours quelqu'un va venir t'insulter. La personne va dire non, excuse-moi. Hein. Demain, la personne va venir t'insulter encore. Après. Mais aujourd'hui, là, Yaka, je vais te dire, tu es mon propre petit frère. Je vais te parler. D'abord, pour ceux qui pensent que je suis en train de clasher Yaka Yaka, ce n'est pas le cas. Je vais parler à Yaka Yaka, je vais parler à chose. À Aya Roubette. Parce que hier même, j'ai eu Yaka Yaka au téléphone, hier nuit. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas en guerre, je ne suis pas en train de le clasher. Parce que ne pensez pas que je suis en train de le clasher. Non. Mais je vais lui dire quelque chose. Yaka Yaka, si tu ne te fais pas respecter sur les réseaux sociaux, personne ne va te respecter. Ça, je te le dis. Et puis, sache que, quel que soit ce que tu feras, tes péchés là, tu vas mourir avec tes péchés. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre toi tes péchés et puis dire que Yaka Yaka, je t'aime trop, moi je vais porter une partie de tes péchés ou bien je vais porter tes péchés. Il ne faut pas forcer l'amour des gens. Quelqu'un ne t'aime pas, vis ta vie comme tu l'entends.
Si quelqu'un t'aime, donne-lui ton cœur et puis partage ton amour avec la personne. Aime la personne. Celui qui ne t'aime pas, basta, c'est tant mieux. Tu avances sans la personne. Tu es né seul, tu n'es pas né jumeau. Même si c'était né jumeau, mais vous n'êtes pas collé, tu n'es pas si à moi. Ne faites pas semblant pour les yeux des gens. Non, je dois participer. Quelqu'un a insulté ta maman ici, yaka yaka. Toi, tu t'en fais funérailles d'enfant de la personne parce que c'est toi-même qui as créé. Tu as déjà construit une mosquée dans ton village? Non. Tu as déjà construit une église dans ton village? Non. Donc, c'est toi qui veux montrer que toi, tu es trop bon, quoi. Ok? Chacun, c'est un choix. Je ne peux pas t'imposer, moi, ma façon de vivre ou bien moi, mes visions. Non. Je t'encourage, je te sollicite. Je t'encourage dans ce que tu fais. Je ne peux que te soutenir. Parce que c'est ça aussi l'amour. Je ne peux que te soutenir. Même si je sais que ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas juste. Et c'est injuste envers toi-même. Et que tu es injuste envers toi-même. Mais je vais te soutenir quand même. Si tu penses que c'est la bonne façon de faire en faisant funérailles des gens qui t'ont humilié. Si aujourd'hui les gens disent que, comment ils ont appelé leur mot là-même? Amoussougoulé. Si les gens aujourd'hui là, tout le monde t'a collé l'étiquette d'Amoussougoulé, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Qui disent que tu es Amoussougoulé, puis ils ont collé ça sur toi. Pourtant, il n'y a personne qui peut amener une seule preuve qui t'ont vu coucher avec un homme. Il n'y a personne qui peut amener une seule preuve qui t'ont vu embrasser un homme. Mais eux tous t'ont collé l'étiquette Amoussougoulé. Et c'est ceux-là, tous ceux qui ont fait vidéo contre toi pour dire que tu es Amoussougoulé, c'est eux qui ont collé cette étiquette-là. Et je vais te dire, ce genre de choses ont amené d'autres personnes au suicide. Toi, peut-être que tu as l'esprit fort, tu es encore en vie. Mais ça là, ça a amené beaucoup de personnes au suicide. Le fait de dégrader leur image, le fait de leur coller quelque chose qui ne leur sied pas. La destruction de la réputation. Mais je t'encourage, parce que c'est tout ce que je peux faire. Le jour, tu comprendras. Peut-être que tu comprendras un jour. Mais je crois qu'on ne t'a pas encore suffisamment fait du mal. Le jour où quelqu'un va réellement te blesser, je crois que ce jour-là, quelqu'un n'a pas te donné conseil. C'est toi-même la conseil, là, tu vas te donner conseil toi-même. Toi, Aya. La même chose comme Yaka Yaka, je vais te dire une chose. Tu sais, dans la vie, là, il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Toute femme est née pour accoucher. Il n'y a pas une seule femme qui est née pour être stérile sur terre. Mais il y a des situations qui font que d'autres décident. D'autres décident de faire enfant après. Parce que d'abord, un, pour faire enfant, on ne fait pas enfant parce qu'on veut. On fait enfant parce qu'on a décidé d'en avoir un. Ce n'est pas les gens qui font enfant. Et j'ai fait mon enfant à 16 ans et je ne voulais pas enfant. À 16 ans, toi, tu avais décision en tant que mère, en tant qu'Africaine. C'est quelle Africaine à 16 ans qui a décision? Qui va dire, je ne voulais pas faire enfant, mais c'est ma mère qui m'a fait faire enfant à l'âge de 16 ans. Et pourtant, quelqu'un m'a dit qu'il y a une vidéo même dans laquelle tu as dit que ton premier enfant avait 35 ans. Et ça, je n'en parle pas. Parce que cette vidéo, je la cherche, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais tu dis que tu as eu ton enfant à 16 ans. À 16 ans, et tu dis que c'est à 16 ans que ta maman, c'est elle qui t'a poussé à avoir enfant. Une mère qui va pousser un enfant de 16 ans à avoir enfant, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Parce que les mères, généralement, poussent leurs enfants au mariage. Même à 16 ans, à 15 ans, à 20 ans, mais pas à avoir un enfant. Même si tu n'es pas marié, il faut faire enfant à 16 ans. Jamais. Tu étais une boclée, une gandou. Que tout le monde doit être baisé dans le quartier, tu as eu un enfant, tu veux faire croire que non, c'est ma mère qui m'a poussé à avoir un enfant. C'est ma mère à 16 ans qui m'a poussé à avoir un enfant. Donc j'ai 44 ans, je dis mon enfant à 24 ans ou bien, je ne sais pas, à 25 ans. Des conneries comme ça. Donc toi Aya, je vais te dire, il faut que je te parle, franchement, parce que tu es ma petite soeur. Parce que quand c'est gâté là, c'est nous tous, on prend balle perdue ici pour toi. Donc quand c'est bon aussi là, il faut que j'attire ton attention. Je ne peux rien t'imposer. Tu es une grande fille, tu n'es plus un enfant. Tu as tes visions, tu vis selon tes visions. Et il faut continuer de vivre selon tes visions. C'est ça avoir une personnalité. C'est ça avoir du charisme, du caractère. Donc vis selon tes visions. Il ne faut jamais vivre selon moi mes visions. Mais je te rappelle un fait, parce que moi j'ai de l'expérience. Tu vis tes expériences aujourd'hui, mais tu crois que tu n'as pas encore vécu d'autres expériences que moi j'ai déjà vécu. Lorsqu'une femme se mêle là, même ta rivale, même ta rivale, c'est des choses qu'elle-même ne peut pas dire. Alors que une femme qui se met sur Internet, qui ne te connaît même pas, tu sais, qui ne sait même pas comment toi tu vis ta vie. Comment veux-tu que quelqu'un te respecte quand toi tu vas faire funérailles de l'enfant? On va dire que toi tu es Jésus, quoi. Ou bien tu es Marie. Que toi tu es trop bonne, quoi.
que toi tu es trop bien, quoi. Ou bien quand tu vas faire ça là, tous tes péchés seront effacés, quoi. Quand toi tu vas faire ça maintenant, tu vas montrer que toi tu es trop bien là. Tous tes péchés là sont effacés. Désormais là, tu as le même statut que Jésus et puis Mahomet. Arrêtez vos plaisanteries, là, vos conneries, là, arrêtez ça. Donc toi, la femme a souhaité que ton ventre soit un ventre cimetière. Que ton ventre soit un ventre béton. Elle a souhaité que tu n'aies jamais enfant. Elle se moque de toi parce qu'elle pensait que tu n'allais jamais avoir enfant. J'aurais appris que tu es enceinte. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais j'ai appris que tu es enceinte. Ça, c'est la bonne nouvelle qui pouvait m'arriver depuis des années sur les réseaux sociaux. C'est l'une des bonnes nouvelles qui vient comme ça, d'ailleurs, qui me réjouit tellement. Mais je suis très méfiant parce que je veux tellement que ça soit vrai. Mais si c'est vrai, enfin ça là, on va le rendre. Si c'est une fille, on va la rendre reine. Si c'est un garçon, on va le rendre king. On va le rendre roi. Parce que des gens ont prié ici pour que toi, tu n'aies jamais enfant. Les gens ont dit que tu t'es prostitué tellement que ton ventre ne peut plus enfanter. Ils ont dit tout. C'est toi, tu es devenu Marie, la mère de Jésus, tu t'en fais funérailles des gens. Moi, c'est les choses où je ne peux pas respecter des gens qui n'ont pas de personnalité, qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Je ne peux pas respecter des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais j'estime, pour toi là, je mets ça sur l'ignorance. Tu ne connais pas la vie. C'est pourquoi tu l'as fait. Je ne peux pas te pardonner parce que ce n'est pas une faute que tu as commise contre moi ou contre la nature. Je te dis seulement que c'est une erreur grave. C'est une erreur très grave de faire ce que tu es en train de faire. Organiser funérailles de quelqu'un, organiser funérailles d'une femme qui a perdu son enfant, alors que cette femme a souhaité que toi tu n'aies jamais un enfant. C'est une bêtise. C'est un manque d'amour propre. Mais je te laisse avec ça. Tous ceux que cette femme a malmenés et qui se lèvent aujourd'hui, qui jouent les hypocrites comme si eux là, ils dorment avec Dieu. Je les regarde et puis ça me fait rire, quoi. Tous ceux qui jouent, les gentils, non, c'est eux, on n'a qu'à dire qu'ils sont trop bien. Vous êtes bien, on vous voit ici, vous êtes bien en quoi? En quoi est-ce que vous êtes mieux que tous les autres? Nous sommes tous des pécheurs sur terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est saint sur cette terre-là. Il n'y a même pas quelqu'un qui attend à terre la perfection. Nous sommes des pécheurs. Et après ça, là, vous allez continuer de faire vos péchés. Et cette femme même n'a aucune douleur en plus. Elle n'a aucune douleur. Elle ne respecte pas la douleur de ce jeune homme, de ce monsieur qui est mort. Parce que cette femme, elle a tous ses bijoux sur elle. Elle se pavane, elle veut briller. Donc à l'aimer. Ton enfant est mort. Quand nous, ton enfant est mort, même tes saints. Quand moi, je suis de l'Ouest. Une femme de l'Ouest, même quand son enfant est mort, il y a au moins 4 femmes autour d'elle parce qu'elle peut se blesser, elle peut se faire du mal. Surtout quand c'est ton seul garçon, elle peut se tuer. Donc il y a au moins 4 femmes, si ce n'est pas 6 femmes auprès d'elle pour l'attraper. Tu portes même pas soutien parce que tu n'as même pas le temps de porter soutien. Tes seins sont dehors. Ça, c'est la femme de l'Ouest. Vous qui avez déjà assisté aux femmes, aux funérailles des femmes de l'Ouest, vous allez témoigner. Vous qui êtes de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, vous pouvez témoigner. Je parle de tous ceux qui sont Guéré, Bété, Dida, Robé et j'en passe. Vous pouvez témoigner de ça là. Mais voilà une femme qui a plein de bijoux sur elle, avec piercing, tout ça là. Et puis elle vient, elle joue là, elle joue les chocos, montre même elle encore dans sa main, dans la chose comme elle est, sous son poignet. Et puis elle vient jouer les chocos. Et vous estimez que non, elle est pleurée. C'est son ou qui est pleuré là. On me dit que chacun a sa façon de pleurer ses morts. C'est faux. La détresse est une détresse. Même Blanche, qu'elle est très frappée, elle pleure comme femme bêtée. Même quand Blanche est fâchée, nous on voit ça ici dans les films. Je n'ai jamais assisté à un funérailles de Blanc, mais je vois ça dans les films. Elle pleure, waouh, 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 waouh. Blanche, qui a perdu son enfant, elle pleure, waouh, waouh, elle ne veut même pas manger, elle ne veut pas parler à quelqu'un. Elle pleure, waouh, waouh, elle traîne à terre. Blanche ne porte pas bijoux. Blanche porte habit noir quand même elle a perdu son enfant. Vous êtes dans vraiment de la malhonnêteté sur les réseaux sociaux ici, quoi. Vous êtes dans l'hypocrisie sur les réseaux sociaux ici, quoi.
Toi, Chanel T. C'est pas cette femme-là. À Saint-Phal. Bon, je ne vais même pas rentrer dans l'affaire de Saint-Phal. Mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas rentrer dans l'affaire de Saint-Phal. Mais toi, Chanel T, tu sais ce que cette femme t'a fait à Saint-Phal. Ton seul supporter à Saint-Phal, c'était moi. C'est toi qui t'as organisé le funérail. Je te souhaite, j'espère que tu vas devenir pasteur. Ou bien, je ne sais pas comment vous appelez vos trucs là. J'espère que tu vas devenir, si ce n'est pas pasteur, c'est révérend ou bien, je ne sais pas comment, ou bien tu vas devenir peut-être imam ou bien, je ne sais pas, choisissez quelque chose, ce que vous voulez. Mais j'espère très bien que toi, tu vas désormais dormir avec Dieu. Je ne veux plus vous voir pécher. Hein? C'est moi le pécheur. C'est moi le mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais encore en Afrique. Je suis le seul mauvais. Faut que ça reste comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait un seul mauvais. Comme ça, le jour où ce seul mauvais là s'en va, tout le monde connaît la paix, tout le monde va bien vivre. Je ne veux plus entendre que vous avez péché ici. Parce que là-bas, quand on te malmenait à Saint-Phal, j'étais le seul qui te soutenait. Et personne ne peut démentir ça. J'étais le seul qui ne comprenait pas. Pourquoi les Leslie, pourquoi cette la Gougou, pourquoi tout le monde cherchait à t'humilier? Pourquoi? J'étais le seul qui essayait de te comprendre. J'étais le seul qui t'était solidaire. Lorsque des gens cherchent à t'humilier en public, le pasteur Chozo, comment dire, comment il s'appelle là? Oh, lui qui chantait, le gars de RAS là. Oh. Ce pasteur là, il a dit ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo qui traînait sur les réseaux sociaux. Là où quelqu'un t'a humilié, faut l'humilier là aussi. Ça, c'est un bishop qui a dit ça. Hein? C'est pas un mécréant comme moi. C'est un bishop qui le dit. Là où quelqu'un t'a humilié en public, faut l'humilier là. Mais vous là, c'est vous où vous voulez montrer que vous êtes trop bon. Si c'est du business que vous faites, ok, tant mieux, puisque c'est l'argent. Mais si c'est pas du business et que vous voulez faire croire au monde entier que vous êtes trop bon, vous êtes ingrat envers vous-même, vous êtes hypocrite envers vous-même. Vous n'aimez pas, vous vous aimez pas vous-même. Vous ne vous respectez pas vous-même. Mais quand quelqu'un ne se respecte pas, comment vous voulez que moi je respecte la personne? Quand quelqu'un ne se respecte pas, comment voulez-vous que moi je respecte la personne? Quand quelqu'un n'a pas de l'empathie pour soi-même, comment voulez-vous que moi j'ai de l'empathie pour la personne? Quand la personne n'a aucune fierté, comment voulez-vous que moi je sois fier de la personne? Guy Vincent, merci. Guy Vincent a fait une vidéo tout récemment. Il dit qu'il était en boubou blanc avec un truc rouge comme pour les archevêques là. Pour que vous reconnaissez, parce que souvent je peux se mettre en costume, tout ça. Mais c'est comme ça, il était habillé. Vous voyez la vidéo à suivre. Il a dit, quelqu'un t'humilie là où il t'a humilié. C'est un bishop qui draine du monde dans son église, qui est riche. Il dit, là où quelqu'un t'a humilié en public, là, faut pas dire, il est parti après. Non, il y a des gens, moi je vais... Non. Là où il t'a humilié, tu l'humilies là aussi. Pour que tous ceux devant qui t'a humilié là, pour que eux tous voient comment tu l'as humilié aussi, et puis tu t'en vas. C'est un bishop qui a dit ça. Et je suis d'accord avec. Tu peux pas m'humilier quelque part. Et puis moi, je vais dire, non, c'est Fagot, on a cassé là. Moi, je vais jouer les bons. Jamais. C'est pas moi qui ai fabriqué la Bible. Moi, je ne dormais pas avec Jésus. Je n'étais pas le valet de Mahomet. Le même Dieu là que nous prions, c'est pour tout le monde. La même bonté là, c'est pour tout le monde. Pour savoir que tu dois faire du bien à l'autre, il faut savoir que comment on doit te faire du bien. Ce que tu ne peux pas accepter, ne le fais pas à autrui. Si tu peux accepter quelque chose, fais-le à autrui. Dans ce cas-là, quand on te le fait, la foi est heureux. Mais si tu sais que on peut, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose à quelqu'un et que la personne va se fâcher, ne le fais pas. Si tu sais qu'on peut te faire quelque chose qui va te faire mal, ne le fais pas à autrui. Non, je n'ai pas mal. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai mal. Non. Je passe un message. Moi, je suis confortable parce que je la connais. On dirait que tu es bien. C'est maintenant que tu arrives sur ma page. J'ai dit que sur cette page-là, sur le méta, les blogueurs ivoiriens, surtout africains en général même, mais précisément les Ivoiriens, ils sont des hypocrites. Je vous ai déjà dit ça. Leur amour dure 24 heures. Regardez, hein, ils sont en train de se faire les funérailles là. Regardez, bientôt, dans quelques semaines, vous allez voir. Ils vont se clasher encore, s'insulter les mamans, s'insulter les enfants. Yaka, ils vont le trouver encore, ils vont le traiter encore de Amoussougoulé. Aïe encore, ils vont l'insulter encore. D'autres même si vraiment l'ancêtre, comme je prie Dieu que ce soit vrai, mais si vraiment l'ancêtre à ce moment, d'autres même vont souhaiter la mort de son enfant, je touche du bois. Je ne devrais même pas dire ça. Peut. Mais d'autres même vont souhaiter qu'elle n'ait jamais enfant. Regardez un peu, hein, vous allez voir.
C'est ça là, je n'aime pas là. Parce que dans la vie là, il faut être vrai, il faut être honnête, il faut être toi-même. Les autres ne sont pas des démons, il faut les aimer. Tu veux qu'on t'aime, alors il faut aimer les autres. Vous ne me verrez jamais vouloir faire du mal à quelqu'un si la personne n'a pas été la première à me faire du mal. Non. Jamais vous ne me verrez pas faire ça. Je ne suis pas comme ça. Mais moi, je dis, pour moi, reste pas à l'étranger. Tu m'as fait ça, il y a te rendre ça. Peu importe ce que le monde entier va dire, je m'en fiche. Tu me fais ça, il y a te rendre ça. Demain là, tu vas plus faire ça. Demain là, tu vas plus faire ça. Si moi, mon parent est malade et puis tu as dansé, le jour où ta maman va mourir, moi, je vais boire champagne. Si tu as voulu m'humilier et puis tu m'as raté, le jour où j'ai occasion, je vais bien t'humilier. C'est comme ça que je suis. Et ça ne va pas quelque part. Alors attendez, demain, il y a cassé les vrais papos. Il y a cassé les papos jusqu'à vous-même, vous allez apprécier. La femme a tué son enfant, je vous le dis. Et je vais vous dire réellement de quoi le jeune est mort. Je ne suis pas là pour plaisanter à quelqu'un. Je vois les gens qui me disent, non, laisse ça, non, il fallait attendre après. Je ne suis pas d'après. C'est lorsque le fer est chaud qu'on le bat. Est-ce qu'elle, quand elle faisait ça, elle me faisait ça, elle avait attendu après? Elle a fait sa séance tenante. Pourquoi moi, elle attend après? Son con pourri là, son con froissé là. On dirait peau de banane mûre là. Pas quoi assurer avec elle? Connerie comme ça. Avec sa peau perforée comme ça. Elle fout quoi avec elle? Sa tête de dragon là, sa bouche qui sent là. Avec sa langue, sa peau en état de choses, comment dire, de putréfaction là. Connerie comme ça, moi, elle fout quoi avec elle? J'ai rien à cirer avec elle. Mais quand elle va quitter là, elle va être correcte sur les réseaux sociaux. Elle va plus vouloir faire du mal aux gens. Elle va plus faire ces clashs bête-bête où elle invente les mensonges sur les gens. Elle a dit ici que Larson Crea a couché avec des gens et que Larson Crea a fait un enfant qui n'est pas de lui. C'est, alors que c'était faux, c'est l'enfant de la sœur de Larson Crea qu'elle héberge, qu'elle a élevé comme son propre enfant. Elle a fait que Larson Crea est obligé de venir sur le méta pour dire que ce n'est pas son enfant, alors que tout le monde a toujours pensé que c'était l'enfant de Larson Crea. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous trouvez ça humain? Et c'est vous qui connaissez la dose, quoi. C'est vous qui dites ce qui est bien, ce qui n'est pas bien selon vous, quoi. C'est vous qui dites comment on doit gérer le méta, quoi, selon vos règles. Et moi, je n'ai pas de règles. Moi, je n'ai pas établi de règles avec quelqu'un. J'invente moi-même mes propres règles sur le méta. Et je fonctionne en fonction de mes règles. Pas en fonction de vos règles. Vous avez compris? Moi, j'invente mes propres règles sur le méta. Et je fonctionne en fonction de mes règles. Pas en fonction de vos règles. Elle a fait ça à la femme. La femme a eu mal. Son nom est gâté. Elle a fait ça à Larson Crea. Larson Crea. C'est-à-dire que quand on fait un truc et puis tu sais que tu l'as fait, et puis on révèle ça au monde entier, ça te fait mal, mais pas aussi mal. Mais quand on invente une histoire et puis tu n'as rien pour montrer que ce qu'ils sont en train de dire sur toi là, c'est faux. Et puis tu es là, et puis tu sais pas où donner de la tête là. Mais ça fait trop mal. Et quand c'est ta réputation qui est en jeu, et puis regardez une femme qui est mariée, ses enfants sont là, ses enfants sont déjà grands, sont sur le méta, et puis on lui dit qu'elle a été violée. Vous imaginez la douleur? Elle aurait pu se suicider. Parce qu'on a vu ici des femmes et des hommes se suicider parce qu'on a fait trop de commentaires sur leur page, ou alors on a fait des vidéos contre ces personnes. Des gens se sont suicidés. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, des gens se sont suicidés ici. Il y a des pays, même en Asie, même, où on a supprimé carrément le truc de commentaires pour ne plus que ce genre de truc arrive, tellement les gens se sont suicidés. Et vous voyez des gens qui salissent les gens comme ça parce qu'elle veut, parce qu'elle a besoin de vues, parce qu'on doit l'applaudir. Et vous êtes là, vous regardez, vous ne dites rien. Et quand son tour arrive, quand on frappe maintenant, non, c'est nous le mot. Je suis démon. Il reste un peu, attendez, je vais porter mes cornes démon. Demain. Mes cornes de démon là, ça a sorti. Gaïa même, vous allez voir ça. Vous n'avez rien vu encore, hein? Oh, moi j'ai des cornes, hein? J'ai une queue. Grosse queue de démon. Les démons ont des queues, non? J'ai une grosse queue. Voilà. J'ai une canne aussi. La canne des démons là, avec la scie là. J'ai ça. Je suis le démon. Vous ne savez pas. Moi, je suis le vrai démon. C'est maintenant que vous apprenez ça. Mais vous êtes en retard. Moi, je vous apprends. Moi, je n'ai rien à cirer avec vous. Je suis dedans. Je suis dedans. Et je m'en fous des conséquences. Je m'en fous de ce qui va lui arriver.
Et je vous dis, je m'en fous de son enfant au gros ventre, son enfant aux trois ventres qui plie jusqu'à sur ses genoux. On me dit, on n'insulte pas mort. Et c'est moi, c'est mon mort. Il y a les morts même, on crache sur eux. Ça dépend de la valeur du mort. Non, son enfant n'est pas dedans. Mais quand elle a attaqué mes enfants là, mes enfants lui ont fait quoi? Non, son enfant n'a rien fait. Pourquoi? Quand elle a attaqué mes enfants là, mes enfants lui ont fait quoi? Quand elle a attaqué la mère de mes enfants, la mère de mes enfants lui ont fait quoi? Quand elle a attaqué ma mère est sur Meta, que son enfant n'a rien fait. Son enfant va pourrir, ouais. Il est mort, il va pourrir. Il va pourrir comme caca. Son gros ventre là va se déchiqueter quand il sera squelette dans tombe là-bas. Moi, m'en fous. M'en fous de vous. Allez-y à l'église, vous qui dormez à l'église là. Vous qui dormez à la mosquée, là. Allez dormir là-bas. Moi, je ne dors pas à l'église. Moi, je ne dors pas à la mosquée. Moi, là, la façon ça vient, c'est comme ça, il prend ça. Julien va pourrir. Son gros ventre là, il est mal mort. Il est mort. Et puis, il va pourrir. Bien. Puis, ça ne va pas quelque part. Puis il est mort, puis il ne reviendra plus. Et puis Astico va bouffer son corps. Puis c'est comme ça, ça y est. Voilà. Maintenant, celui qui est trop fâché n'est qu'à aller se pendre. Je m'en fous. Celui qui ne peut pas, il ne faut plus payer ma maison. Celui qui ne veut pas, il n'est qu'à m'arracher sa voiture que je roule. Celui qui ne veut pas, faites tout ce que vous voulez. Je m'en fous de vous. Et je vous encule. Ciao.